Attaqué de toutes parts, le club catalan vit des moments très compliqués. Son président a décidé de sonner la révolte. Ces derniers mois, le FC Barcelone traverse une très forte zone de turbulence. Après avoir hérité du bilan financier catastrophique de l'équipe Bartomeu, le club catalan doit faire face à de nouveaux problèmes. Ce lundi, la presse espagnole nous a ainsi appris que la justice avait annulé le contrat de Gavi avec l'équipe première. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Les Blaugrana doivent surtout gérer le scandale Negreira, une affaire dans laquelle d'anciens dirigeants sont soupçonnés d'avoir payé un peu plus de 6 millions d'euros à José María Enríquez Negreira, l'ex-vice-président du comité technique arbitral de la Fédération espagnole. Une tempête médiatique face à laquelle l'actuel président des culés, Joan Laporta, a brièvement réagi hier sur son compte Twitter. Mais ce lundi, le dirigeant catalan a profité d'une réunion avec les capitaines des différentes sections du club pour faire une mise au point un peu plus musclée. Je me réjouis d'affronter toutes les crapules qui ternissent notre blason. Le Barça est un club avec des valeurs. Nous utilisons le mot valeur, non pas pour faire bien, mais parce que les valeurs sont un élément fondamental de notre modèle d'excellence sportive. C'est pourquoi le Barça est admiré et reconnu dans le monde entier. Il arrive aussi que certains, motivés par la jalousie, essaient d'éroder notre réputation avec des campagnes de mauvaise foi. Le sentiment barcelonista ne s'achète ni ne se vend, mais il ne se salit pas non plus, a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo avant de conclure. Ces derniers temps, il y a eu des attaques féroces pour salir notre emblème, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et vous pouvez être sûr que le conseil d'administration, que j'ai l'honneur de présider, le défendra de toutes ses forces. Ils n'y parviendront pas, car les capitaines du Barça représentent nos valeurs et nos sentiments, et vous le prouvez sur le terrain, lorsque vous vous donnez à fond, et jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Ne croyez pas que je m'emballe par faiblesse, je m'emballe parce que j'ai vraiment envie d'affronter toutes les crapules qui salissent notre blason. Que personne ne pense que c'est par faiblesse. Sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la lutte en Liga et en Coupe du Roi. En coulisses, les deux mastodontes du football espagnol sont aussi en guerre. Un clasico qui sent déjà la poudre. Dimanche prochain, le FC Barcelone et le Real Madrid vont se retrouver au Camp Nou pour un match qui s'annonce d'ores et déjà prometteur. En effet, les culés sont leaders de la Liga, avec 9 points d'avance sur les Merengues. Les deux clubs ennemis, qui vont aussi se rencontrer à nouveau en Coupe du Roi au début du mois d'avril, ne sont pas uniquement opposés sur les terrains de football. Ils le sont aussi sur le terrain judiciaire. Depuis quelques semaines maintenant, le Barça est dans le viseur de la justice espagnole, dans le cadre de la fameuse affaire Negreira. Une affaire où les Catalans sont accusés d'avoir versé des millions d'euros durant plusieurs années à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre membre et vice-président de la Commission technique des arbitres espagnols. Ce qui avait fait réagir de nombreux clubs de Liga, qui criaient au scandale. De son côté, le Real Madrid n'avait pas fait de déclaration publique suite aux révélations faites à ce sujet. Mais les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont décidé de sortir du bois. Samedi, le Real Madrid a annoncé l'organisation d'une réunion d'urgence du conseil d'administration dimanche à 12h. Suite à cela, le club de la capitale a publié un communiqué de presse. Le conseil d'administration du Real Madrid CF a pris connaissance, lors de sa réunion d'aujourd'hui, des graves accusations portées par le ministère public de Barcelone contre le FC Barcelone, sur la base de délits potentiels, entre autres, de corruption dans le domaine du sport, annonce le club merengue. Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans l'action de la justice et a convenu que, pour défendre ses intérêts légitimes, il comparaîtra dans la procédure dès que le juge l'ouvrira aux parties lésées. Un acte fort de la part des Madrilènes qui ont donc décidé d'agir. Le club place la défense de ses intérêts avant tout accord ou projet commun, explique Marca ce lundi. Liés lors du projet de la Super League, le Real Madrid et le Barça ne se font pas pour autant de cadeaux. Avec cette décision, le club de Florentino Pérez le montre. Avec ce pas franchi, le Real Madrid, qui est la seule équipe qui a décidé de comparaître, jusqu'à présent alors qu'en vertu de la plainte, toutes les personnes concernées peuvent être affectées, veut défendre ses intérêts, avec un accès à l'intégralité de l'enquête. Le club peut demander des sanctions et indemnisations, précise Marca.
Le quotidien espagnol ajoute que même si le président du Barça, Joan Laporta, n'est pas inquiété, la prise de position des Merengues ne va pas arranger les relations entre les deux clubs. La relation entre les deux entités restera-t-elle la même? Il est clair que non. Marca s'interroge aussi sur le projet de la Super League. Cela pourrait mettre un terme à la collaboration entre les deux écuries ibériques. En Catalogne, on estime déjà que le Real Madrid a déclaré la guerre au culé. Mundo Deportivo comme Sport, les deux médias catalans utilisent ce terme pour évoquer les relations entre le FCB et les Madrilènes. La tension est plus que palpable à quelques jours d'un clasico qui sera explosif à tous les niveaux.